Salut tout le monde, une petite vidéo rapide. Je voudrais revenir sur la polémique Benzema, Cantona, Ben Arfa et vous dire ce que j'ai ressenti en entendant tous ces commentaires concernant la non-sélection de Benzema et de Ben Arfa. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas la chose, c'est Benzema, l'attaquant du Real Madrid, excusez-moi, un des meilleurs attaquants français aujourd'hui, et Ben Arfa, un des meilleurs joueurs français, qui sont tous les deux d'origine maghrébine, donc d'origine arabe, ou des arabes, et qui, en regardant leur qualité intrinsèque et la saison qu'ils ont fait, méritaient effectivement d'être en équipe de France. Mais pour des raisons privées et d'autres peut-être qui ne sont pas privées, qui sont en rapport avec le groupe, qui font que, le sélectionneur Didier Deschamps ne les a pas sélectionnés. Alors il y a eu toute une polémique, à commencer par Eric Cantona, qui a été un super joueur mais qui des fois a dit quelques bêtises. Qui disait que peut-être Didier Deschamps a eu quelques réflexes racistes qui ont fait qu'il n'a pas sélectionné les deux. D'accord ? À cela, on peut rajouter les propos de Benzema qui dit aussi que Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. En tout cas, et je n'ai pas les mots exacts, mais bon, a cédé à la pression raciste d'une partie de la France. Alors, les réponses qui ont suivi ces propos-là, c'est comment peut-on traiter Didier Deschamps de raciste alors que, quand on regarde bien, effectivement, il y a quelques Arabes en équipe de France, mais il y a surtout beaucoup de Noirs, hein, beaucoup de Noirs. Alors comment peut-on le qualifier de raciste? Ce qui est vrai, on ne peut pas dire qu'il est raciste, alors que quand on regarde l'équipe, les joueurs qui ont été sélectionnés, il y a une grande majorité de Noirs et d'Arabes, surtout une grande majorité de Noirs. Alors, moi, j'ai envie de m'attaquer aux propos de Cantona et de Benzema. De quoi ces propos... qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces propos? Alors, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai entendu ces propos, c'est un racisme anti-noir. Je vais vous expliquer. C'est très difficile de l'expliquer, mais je vais essayer de l'expliquer parce que c'est un sentiment que j'ai ressenti directement, en fait. C'est de considérer que les Noirs, d'abord, les Noirs sont des êtres invisibles, en fait, inconsciemment. C'est-à-dire qu'ils sont tellement invisibles que le racisme ne peut qu'être un racisme anti-arabe. Ça, on ne parle même pas d'eux, en fait. D'accord? On ne parle même pas d'eux. Et aussi dire que moi, ce que j'ai compris par là, c'est que, bon, Didier Deschamps ne sélectionne pas Benzema et Ben Arfa, ou ne nous sélectionne pas de la part de Benzema, parce que, ou ne sélectionne pas ces deux Arabes de la part de Cantona et de la part d'autres personnes, certainement, qui pensent comme eux, c'est qu'il ne nous sélectionne pas, ou ne sélectionne pas ces deux Arabes, qui peuvent être vus comme un peu turbulents, un peu rebelles, ou un peu... oui, qui peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec une certaine tactique, se rebeller. C'est de considérer que eux, ils sont moins dociles, ils sont moins domptables. D'accord? Alors que les Noirs, c'est des êtres qui peuvent, qui disent oui à tout ce qu'on leur dit. Et d'ailleurs, il y a une part de vérité là-dedans, parce que ce n'est pas dans la nature du noir, c'est que l'histoire a fait que le noir a toujours lutté pour survivre. Donc il a encaissé beaucoup de choses,
dans une stratégie de survie. Mais tout de même, on a vu aussi des Noirs qui se sont levés, qui ont dit non, qui ont refusé des choses auxquelles ils n'étaient pas avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Donc, considérer, donc, tenir ces propos qui consistent à dire que Deschamps est raciste parce qu'il n'a pas sélectionné ces deux Arabes, c'est considérer que ces Noirs sont des êtres, les Noirs en majorité dans en équipe de France, sont des êtres domptables, qui ne disent rien. D'accord ? Et ça, c'est la continuité de ce que j'ai entendu une fois, ou j'ai lu, quand il y a eu l'élection d'Obama, on a posé des questions, une question aux Français, en tout cas, des statistiques, on a pris un échantillon, on a posé la question suivante, est-ce que vous serez prêts, un échantillon de Français, est-ce que vous serez prêts à voter un président arabe ou noir? Une grande majorité a dit oui, mais un noir. D'accord? En d'autres termes, on laisserait. Ce serait un peu plus facile d'élire un noir qu'un arabe. Pourquoi? Un arabe, il est toujours. Il est un peu plus rebelle. Hein? Plus rebelle, il ne se laisse pas faire. Et là, j'ai envie de dire à mes frères africains, oui, il y a eu des noirs qui se sont rebellés, mais on a tendance à se laisser faire. D'accord? Se laisser faire. Et là, je rejoins Kémy Séba là-dessus. Il ne faut pas se laisser faire. Et on a tendance à se laisser faire. OK? Et ça, je l'ai expliqué. C'est le résultat d'une histoire qui a fait une histoire de survie. Mais il faut dépasser ça. D'accord? Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des Noirs qui ont dit non. Il y a beaucoup de Noirs dans l'histoire qui ont dit non. Et réduire les Noirs à des êtres qui sont domptables, qui ne disent rien, c'est aussi une part de racisme, soit conscient, soit inconscient. Donc, dans ces propos de Benzema et de Cantona, qui sont représentatifs aussi d'une certaine population ou d'une certaine façon de voir les choses vis-à-vis des Noirs, c'est surtout ces propos-là qui sont le plus racistes. D'accord ? Moi, j'ai senti cela comme une insulte. On m'a réduit à un être qui ne dit rien, qui accepte tout. D'accord ? À qui on peut dire tout et faire n'importe quoi vis-à-vis de lui. D'accord ? Un être effacé. Hein ? On parle de racisme, on oublie qu'il y a des Noirs en équipe de France. D'accord ? Mais eux, limite, on ne les voit pas. Voilà. Et c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai entendu ces propos-là. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que j'ai pu, parce que c'est des sujets qui, c'est très difficile à expliquer, ce genre de choses, et ce genre de sentiments. J'espère que j'ai trouvé les mots pour vous expliquer ce que je voulais montrer ayant trait au racisme dans les propos de Cantona et de Benzema. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Voilà, salut.